very bad. My prejudice is straight. But see Babylon, them only spread the word. Franatongo, ça c'est un dialecte pour le créole, on parle au Suriname. Je suis quelqu'un qui se kiffe les langues. Comme mon père, il est du côté français. Donc en fait, j'ai toujours bercé dans les différentes langues, anglais, hollandais, le créole, le français. Mais c'est vrai que après l'âge de 16 ans, c'est là que je me suis vraiment perfectionné dans l'anglais, dans le français, etc. Peut-être ça a joué, mais c'est vrai que maintenant c'est une chance parce que quand tu apprends la langue de quelqu'un d'autre, c'est quand tu apprends la culture de l'autre. Quoi. Oui. Donc là, c'est une big chance que je profite. C'est toujours bien d'arriver dans un pays, tu peux parler en portugais, tu peux parler en anglais, tu comprends mieux les gens et tu peux aussi partager le feeling encore mieux parce que les gens comprennent ce que tu veux. Donc ça, c'est kiffant. Moi, je rends grâce. Hein. Wow. Moi, je suis un gars à texte. Il y a la musique pour danser, mais j'aimerais aussi que les gens comprennent, que je leur dise quel message j'ai envie de passer pour éveiller les consciences. Enfin, je dis ça avec beaucoup d'humilité, mais en tout cas, c'est ce love là que j'ai envie d'apprendre. Et sans faire de la prison. Ouais. Donc on voit bien que les messages ont fait l'écho dans le monde entier. Donc pour ça, je rends grâce. Maintenant, c'est vrai que de la même façon que l'amour vient dans toutes ses formes, le mal il vient aussi dans toutes ses formes. Ah, c'est un combat qu'on doit mener, c'est un partage. C'est toujours éveiller les consciences parce qu'il y a une nouvelle génération qui arrive derrière. Oui. Moi, je suis conscient, quoi, mais je rends déjà grâce pour le chemin qu'on a tracé pour aller là, tu vois. Ouais. Aujourd'hui, le reggae est reconnu à l'UNESCO. C'est un bon bout de chemin, ça veut dire que le monde entier maintenant, ça appartient au monde. Avant, c'était à la Jamaïque, ils ont fait leur travail. Ils ont tellement fait un travail pour que ça soit reconnu à l'UNESCO. Moi, j'ai dit, yeah, man, il y a un réel travail qui se fait, parce que ça ne fait pas longtemps que, you know, we can vote. Ça ne fait pas longtemps qu'aujourd'hui, exactement, dans chaque maison. Je me rappelle que quand moi, j'ai poussé mes locks sur le côté de Peter Tosh, j'étais vu comme un extraterrestre. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, marginalisé, tout ça. Ouais. Tu vois, parce que c'était mal au bout de la société. Et aujourd'hui, tu ne peux pas. Dans chaque maison, il y a au moins un frère ou une soeur qui est figuré. Amen. C'est mon life.
pas de l'exister chez moi, j'avais pas de radio, j'avais pas de musique. Donc c'est mon voisin qui mettait la musique tous les dimanches. Donc, tu sais, lorsqu'on est dans certaines situations, on a besoin d'entendre certains mots qui éveillent les consciences. Okay. Pour moi, Natural Mystic m'a éveillé dans ce sens-là. Ça m'a vibré. Je ne dirais pas tout de suite que j'avais compris tout à fait ce qu'il disait, mais en tout cas, ça m'a poussé à rentrer plus dans le sens positif, pas un et plus. Tu vois, au lieu de prendre le chemin du Batman, à partir de ce moment-là, je me suis dit qu'il y a un autre chemin pour s'en sortir. Natural Mystic m'a profondément inspiré par rapport à ça. Le reggae, c'est bien plus que musique. Le reggae, déjà, c'est Rastafari. Parce que c'est Rastafari qui a ramené le reggae. Tu vois ce que je veux te dire? Le reggae, c'est le véhicule. Tu vois, c'est ça qui emmène le message, ça qui fait les effets. Donc c'est plus qu'une musique. Vous savez combien de jeunes et combien de hommes et de femmes le reggae a sauvé. Il ne faut pas négliger ça, tu vois ce que je veux dire. C'est vrai qu'aujourd'hui, il faut partir dans la classe, il faut partir dans du genre de bagaille parce qu'on est influencé par le monde capitalisme, etc., etc. Mais je pense que au tout profond, les cannabis rebelles, ça serait toujours une musique qui va toucher le cœur, qui va rentrer dans les consciences des nations, des jeunes générations, ce qui va arriver. Tu peux mettre Bob Marley aujourd'hui, même dans 20 ans, ça va toujours faire l'écho. Entièrement en Jamaïque et ça va se lancer aussi en Jamaïque. Donc là, on est à, on va dire, à la moitié du projet. Moi, pour moi, c'est un honneur de travailler avec Dean Fraser, c'est une légende pour moi. Et là, entre lui et moi, il me prend dans ses bras comme un fils, il est vivant dans ça, quoi. Donc, c'est plus que honorable pour Ayana. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, c'est l'aboutissement de long travail. Tu vois ce que je veux dire? D'être avec quelqu'un qui comprend ta musique et puis surtout, ce que j'ai aimé avec Dean Fraser, c'est que surtout, il n'a pas voulu faire sa musique. Il a pris ma musique, il a écouté, il m'a ramené là où je voulais aller. Ça veut dire que ce que j'entendais tout profondément, il a réussi à le choper. Et c'est là que j'apprécie de travailler avec une fille. C'est vraiment un truc qui m'a éveillé les consciences dans une autre level encore. Il m'a tellement mis à l'aise, il n'y a pas une seconde que j'ai ressenti une arrogance de sa part pour me dire oh « ouais, tu es chez Dean Fraser ». Il m'a toujours accueilli comme un simple frère avec beaucoup d'humilité. Et ça m'a permis de sortir des textes réels, ça m'a permis d'être encore plus focus. Et c'est big love. Donc, les gens restent connectés, tu vois, ça va arriver. Vraiment. Jour après jour, elle a toujours un amour. En magasin changé, fois tu peux payer. Pas de rien pour manger, bagaille là, rien pour manger. On va pas travailler pour du money. Système là, les prend tout ça, il y a. C'est la bonne, c'est des petites, ça passe en l'eau. J'ai chanté Black Woman à La Rochelle devant 20 000 personnes, tu vois. Sachant que Black Woman, c'est un titre qui est assez explicatif, tu vois ce que je veux dire. Ça, c'était une big fierté pour moi, tu vois. Et sinon, c'est le Brésil, tu vois. Je suis arrivé au Brésil, c'est là que j'ai vu que enfin, ça m'a pris une réelle confiance en me disant que ma musique peut vraiment aller partout dans le monde. Quoi. Tu vois, ça reste une anecdote parce que j'arrive dans un endroit où j'ai un web black man. Ouais. Tu vois, alors qu'on est en Guyane, puis là tu vas au Brésil, ouais. Tu te rends compte qu'il y a des gens qui habitent au Brésil qui n'ont jamais vu black man et encore loin des l'Ox.
Donc du coup, quand j'arrive là, ils ont pas commencé à venir me voir, j'avais l'impression d'être accueilli comme un big star, tu vois, alors que je débutais dans la musique. Donc ça reste quelque chose qui m'a profondément touché, et je me suis dit que la musique n'a pas de frontières. Voilà, pour dire, mais il y en a eu d'autres, hein. Énormément d'autres, quoi. Quand j'ai été récompensé meilleur album reggae de l'année, voilà, il y a eu le bon vibration, les gens que j'ai rencontrés, des artistes, ça reste quelque chose de très profond pour moi. Pas qu'il voit du succès, je m'explique. C'est-à-dire que quand il arrive à un certain niveau, faut pas qu'il oublie d'où il vient. C'est tout simplement ça, tu vois. Parce que si tu commences à boire du pouvoir, tu sais, on est vite fait influencé par le monde et par les bright lights, tu vois. Donc moi, je pense que chaque artiste devrait se retrouver à l'intérieur et ne jamais oublier d'où il vient. Voilà. Parce que on est un exemple pour la nouvelle génération. Tout ce qu'on fait, aussi petit soit-il, les gens nous prennent comme des exemples. Donc on se doit d'avoir une certaine humilité, un certain comportement vis-à-vis de notre public. Mon love, check liteguerrier.com. Travail se fait à petits pas et on arrive là où on doit arriver. Puis qu'on va toute la jeunesse, laisse la violence à côté, you know? No hypocrisy, no jealousy. Just give love, more love and I'm more. Bless, Rastafari. You're the only one that I'm thinking of. Only one I protect you. You're my best friend, my empress, my queen. So keep it burning.